Bonjour, je suis Marise Tremblay, préposée aux bénéficiaires au RI, ressources intermédiaires. Préposée, c'est de faire des toilettes partielles, l'élever, donner des médicaments, le déjeuner, m'assurer qu'ils sont habillés pour le dîner, bien laver, que les lits soient faits, que tout la pièce soit en ordre quand que mon chef finit pour 3h30. J'ai fait un stage dans une résidence à Saint-Liguori et c'est là qui m'a donné la piqûre de travailler avec des personnes âgées, que j'ai découvert que j'avais une approche facile avec les résidents. J'ai un côté que je les comprends aussi, parce qu'avec mon handicap physique, j'ai des bobos comme qu'eux autres ont des bobos. Fait que d'après moi, c'est ça qui me donne ma force de me mettre à leur place et dire « oui, je vous comprends ». Mon handicap, écoutez, c'est dysplégie spastique néonatale. C'est quoi que ça veut dire avec tout ça? C'est mes muscles et mes nerfs qui sont coincés ensemble. Ils ont des nœuds et tout ça. Et c'est pour ça. Je suis bien chanceuse d'avoir juste les jambes parce que je serais censée d'avoir un bras. Et j'ai les bras qui fonctionnent numéro un. Le SR2, ils m'ont beaucoup aidée. Au début, à mes deux premiers emplois, ils m'ont vraiment aidée. J'étais un petit peu gênée parce qu'écoute, le marché du travail, c'est gros. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis quand j'avais besoin de conseils, je les appelais. Puis oui, Marise, fais ça, il n'y a pas de trouble. C'est vraiment, là, ils ont été vraiment en arrière de moi et m'appuyer à 100%. Si tu y crois, nous autres aussi. Tu sais, c'est toujours été positif. Puis ils ont été voir aussi, mais c'est quoi que je voulais faire. Est-ce que tu veux toujours être préposée? Oui, parce que j'aime ça. J'ai même essayé d'avoir ma carte de PDSB parce que j'ai eu une formation et j'étais censée de l'avoir et je ne l'avais pas. Fait que là, SR2, ils m'ont comme dit on va prendre ça en main. Fait qu'ils ont pris ça en main, ils m'ont rappelé, ils m'ont donné un autre numéro de téléphone que j'appelle. Puis depuis ce temps-là, j'ai ma carte de PDSB. J'étais une fille qui se laisse pas abattre. J'étais une fille qui meurt dans la vie, qui aime tellement la vie, je veux tellement faire des choses dans la vie que je me dis je veux, je peux et je réussis. Marise, quand elle est arrivée à nos services en 98, elle n'avait aucune scolarité, elle n'avait pas de voiture à voyager en transport adapté, elle n'avait pas d'expérience d'emploi. Aujourd'hui, c'est une mère de famille, elle a 4 enfants, elle travaille PAB, elle a la voiture, elle conduit la voiture. Écoute, c'est incroyable l'évolution que cette femme-là elle a fait. Elle a commencé des démarches avec une conseillère en emploi chez nous qui a regardé finalement un petit peu ses intérêts, ses motivations, revu avec Marise finalement ses besoins pour vraiment cibler un poste qui correspondait à ses goûts et ses intérêts. Mais bref, elle l'a réintégré par l'entremise de la même conseillère un milieu de travail avec le volet évaluation des capacités. Alors, on a travaillé avec l'employeur pour voir, bien, y a-t-il quelque chose que Marise pourrait faire pour essayer de pallier un petit peu puis que ce soit un petit peu moins difficile au niveau de ses capacités. Puis, il y avait une ouverture au niveau de l'animation. Alors, elle faisait un 50 % de préposé aux bénéficiaires et un 50 % au niveau du poste d'animation. Puis, Marise, elle a des grandes forces au niveau, justement, de l'approche clientèle personne âgée. Elle est une source de motivation pour cette clientèle-là également. Quand ils voient Marise, finalement, que de la difficulté à la marge, ah, bien, si t'es capable, bien, moi aussi, je suis capable. Et donc, elle va amener les gens là, facilement à bouger puis à participer aux activités. Donc, son intégration s'est très, très bien déroulée. Belle ouverture de la part de l'employeur. Une Marise qui est capable de dire ce qui est capable de faire, ce qui est plus difficile pour elle. Une belle ouverture de l'équipe de travail. C'est sûr, un petit peu de sensibilisation à faire, autant de la part des gens du syndicat aussi avec leurs membres. Autant Marise est capable aussi de faire son petit bout. Fait que tout le monde a fait son petit bout pour pouvoir permettre à Marise finalement d'intégrer complètement le milieu. Et sans aide financière, Marise, elle est en emploi depuis déjà quelques mois. Sans support financier, mais avec un beau travail de collaboration. Elle a été très bien accueillie aussi de la part des syndicats, fait que ce qui est vraiment, là, vraiment extraordinaire. Marie, c'est une très bonne employée. Elle se débrouille beaucoup, elle a du potentiel, la fille. Moi, je la trouve courageuse.
4 enfants aussi, là, c'est pas évident. Il n'y a pas de discrimination, hein, comme on dit. Fait que c'est sûr qu'on n'aurait pas aimé qu'il attasse à cause de son handicap. C'est sûr qu'on s'en aurait, on aurait mis notre pied à terre, là, mais ça a été bien accepté. T'sais. Chacun elle doit à sa chance, chacun doit à sa croûte, comme on dit. T'sais. Son emploi, c'est assez chargé. Elle a beaucoup, beaucoup de tâches. Elle commence dans le matin, elle commence de servir le déjeuner à tous les résidents. À la fin de son shift à 3h30, tout est fait. Toutes ses tâches sont marquées, ses notes sont très, très bien écrites. Elle me surprise souvent parce que des fois, je suis un peu inquiète pour elle. Puis c'est elle qui m'a assuré que non, je suis capable, donnez-moi une minute de repos. Mais là, après ça, je suis capable de se lever et on continue, il faut. Puis elle a une attitude merveilleuse, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on a besoin de faire des petits changements pour adapter pour Maryse, mais quand même, ça va très, très bien. Puis elle a une bonne approche avec les résidents. Puis ça, c'est la chose la plus importante. Ça va bien. J'ai rien à dire. Puis j'ai rien entendu de négatif non plus sur c'est quoi qu'ils pensent de moi. Ils trouvent que je suis une fille qui travaille super bien, que je suis travaillante. Très heureuse. Sinon, je serais pas ici si j'aimerais pas mon travail.